Fai nono. Fai nono. Fai nono. Fai nono. Fai nono. En provençal, on ouvre la finale parce que c'est... Voilà. On fait pas nono, on fait nono. Ça veut dire fais dodo. C'est ce qu'on disait aux petits, aux enfants. Parce que c'est un vin hors norme. Dans l'esprit de ce que j'aime chez un vin italien qui s'appelle l'Amarone. Je trouve que c'est un vin déséquilibré volontairement, à la fois par le climat, par le soleil et par le vigneron dans la technique. Pourquoi par le climat? Parce que ça correspond à des années très chaudes, très sèches, où il y a donc une concentration maximale. Donc les raisins sont cueillis autour de entre 15 et 17, voilà, une fourchette. Ensuite, il n'y a pas forcément une fermentation complète, puisqu'on est dans la limite de ce que peut faire une levure. Là par contre, il y a beaucoup d'extraction. Enfin, disons qu'on extrait tout le tanin qui est présent et on va élever le vin un petit peu en barrique. Puis surtout, ça demande une garde très longue en bouteille pour que le vin s'exprime pleinement. Quoi. Je dirais entre minimum 5 ans et jusqu'à 20 ans. Ça veut dire que quand c'est des années exceptionnelles. C'est 2000. J'ai commencé à faire du nono en 2006. La première année, c'était une cuve qui était trop riche pour rentrer dans le roi feignant au départ, parce que ça déséquilibrait un peu le vin, ça le rendait un peu trop gros, un peu trop lourd. Donc je l'ai écarté. Puis au bout de 2 ans d'élevage, j'ai trouvé que le vin se suffisait à lui-même et avait atteint côté intéressant, quoi, une plénitude, et je l'ai mis en bouteille. Voilà comment est né le premier nono. C'était quasiment que du grenache, et puis ensuite j'ai refait ça en 2009, et puis là donc le dernier né c'est 2015 avec un assemblage original avec du grenache à 80-85% et du merlot, parce que j'avais une parcelle de merlot qui était en surmaturité. Voilà. Donc il n'y a rien qui... Je m'interdis rien sur le nono en termes de cépage, donc on le sort parfois en ventoux, mais c'est rare parce qu'on est limité en sucre résiduel, puis on n'a pas le droit à certains cépages, donc je le sors en vin de France. Et puis voilà, je conseille de boire ça sur des fins de repas, quand on refait le monde un petit peu, là, qu'on ne veut pas passer directement au digestif. Voilà, le nono c'est le vin de fin de soirée. Fin de l'amitié. Voilà, le vin de l'amitié. Ouais, un vin couillu. Mais bon, il faut aussi des vins déséquilibrés volontairement, parce que on ne peut pas toujours rester sur des vins qui sont dans la norme, je dirais, classique, qui peuvent se marier avec tous les plats et tout. Le nono écrasera 90% des plats avec qui il sera servi. Donc il faut le boire pour lui-même. Ben, où il y a à manger.